Bonsoir, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle thématique de l'actualité économique nationale. Ce qu'a fait l'actualité économique aujourd'hui, c'est l'ouverture du salon Bâtimatech cet après-midi. Un rendez-vous incontournable du secteur du bâtiment, un secteur qui tourne à plein tube et qui devrait contribuer à créer de la croissance. Le bâtiment draine une activité entrepreneuriale très dense et il est déjà au rendez-vous de la création de la richesse puisqu'actuellement le logement en Algérie arrive à intégrer près de 80% de produits qui sont réalisés en Algérie. La question que nous posons ce soir, c'est de savoir à quel point la qualité des produits et la qualité de la réalisation est aux normes nationales et internationales. Le logement est produit massivement pour répondre à une politique de logement, une politique nationale. Mais pour répondre aux normes, la question est tout autre. On va essayer de savoir si les normes des matériaux employés sont conformes à la réglementation et si les normes de réalisation sont également au rendez-vous, la qualité que le citoyen attend et espère, et ce quand bien même le logement est aidé, donc subventionné par l'État. Pour vous éclairer sur la qualité de votre logement, nous avons invité ce soir Monsieur Jamal Hallas. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'INOR, l'Institut National de Normalisation, pour synthétiser votre organisme. Vous êtes notamment en charge de tracer les normes des laboratoires de contrôle de qualité des matériaux, notamment, bien entendu. Akhil Amlouch, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes architecte urbaniste, vous êtes également le directeur de publication de la revue Vie des Villes. Merci d'être avec nous. Monsieur Brahim Hasnaoui, bonsoir et merci d'être là. Vous êtes le PDG du groupe de bâtiments Hasnaoui. Et à vos côtés, Monsieur Afra Hamid, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Le directeur général du CNIRIB. Vous représentez le ministère de l'Habitat. Le CNIRIB, qui est le Centre National d'Études et de Recherche Intégrée du Bâtiment. Votre organisme est en charge, notamment, de mettre au point et développer les matériaux de construction. J'espère que je ne me suis pas trompée. Avant de rentrer dans le cœur du débat qui est... Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته La
la qualité des matériaux de construction et de la réalisation, je vous propose de voir le point de vue d'une association qui représente les entreprises de réalisation, les entrepreneurs, l'un des patrons influents du secteur du bâtiment. Il s'agit de l'AGEA, l'Association Générale d'Entrepreneurs Algériens. Badia Amari, notre reporter, l'a rencontré. On suit ce reportage. En plus de résorber la crise du logement, une tâche à laquelle ils s'attellent, les responsables à charge de ce secteur placent la qualité du bâtiment au cœur de leurs préoccupations. Ils font tout ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. On construit algériens, avec des entrepreneurs algériens, avec des ouvriers algériens, avec un budget algérien. Là, on a le 100%. Je construis le plus normalement. On a les capacités de réalisation, on a les entreprises qui font et on a les ouvriers qui font. Reste que le cahier de charge lui-même doit être amélioré avec le ministère de l'État. Le cahier de charge, parce qu'il est très important vis-à-vis de réalisateur et vis-à-vis de l'administration qui contrôle et qui fait le suivi. Le cahier charge, on doit le travailler, on va le revaloriser ce cahier charge pour permettre à nos bureaux d'études de faire des bonnes études et aux entrepreneurs de faire du bon travail avec des ouvriers qualifiés. En plus de cette démarche de la qualité adoptée pour répondre aux exigences des souscripteurs, les autorités publiques insistent sur l'intégration des matériaux de construction de fabrication locale dans le bâtiment. Le cahier charge. Il est défini que les matériaux de construction sont algériens, les maîtres de l'ouvrage, l'ensemble des maîtres d'ouvrage, soit du ministère de l'Habitat, soit qui relève du ministère des Travaux publics, ils ont une directive du Premier ministre de travailler avec des matériaux algériens. Point. Reste que les importations, ils sont toujours des entreprises qui importent. C'est les entreprises qui travaillent sur le haut standing des logements conventionnels. Et ça ne touche pas le budget public. Le bâtiment, secteur créateur de richesses et de croissance, est en pleine expansion en vue de l'ambitieux programme de réalisation de 2 millions de logements. Les promoteurs immobiliers, suivant les orientations du gouvernement, intègrent de plus en plus de produits locaux, la brique et le ciment entre autres, dans la réalisation du logement. Ces produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Maintenant, alhamdoulilah, il y a des laboratoires privés et publics. On peut faire de contrôler le béton chez une société publique et chez une société privée pour avoir un petit peu le contrôle. Mais ce qui concerne le logement en Algérie, il est contrôlé par tout le monde. Par le bureau d'études, par le maître d'ouvrage, par l'entreprise lui-même. Je salue la décision du ministre Labetta, même s'il y a 2 ans de retard, de faire une mystique et arrêter les promoteurs qui trichent. La fraude dans les matériaux de construction, il n'y a pas de fraude, parce que les matériaux sont contrôlés. Maintenant, c'est la fraude, c'est la qualité de réalisation. Sur les revêtements, sur le béton lui-même. Il n'y a pas que, alhamdoulilah, il n'y a que 11 promoteurs qui ont été exclus par le ministère de l'Habitat. C'est un promoteur par wilaya, il y a 11, à peu près 9 ou 10 wilayas. La production nationale des matériaux de construction se hisse aux standards internationaux et les entreprises tendent à répondre aux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante. Alors, en parlant justement d'exigences, première question, messieurs, aujourd'hui, est-ce que le bâtiment répond aux exigences de qualité, de production de logements et de sécurité de ses locataires? Une question peut-être qui peut paraître vaste, mais on va commencer avec un tour de table, monsieur Afra. Oui, merci pour cette invitation à cette émission. Effectivement, le secteur de la construction au sens large, il est régi par une réglementation technique de la construction. Depuis l'idée de construire jusqu'à la réception de l'ouvrage, en passant par différentes étapes qui consistent en premier lieu au choix de terrain. Le choix de terrain s'opère donc de manière concertée avec tous les intervenants
pour choisir un terrain qui sied à la construction qui est projetée sur ce terrain. Une fois que le terrain est choisi, donc avec la concertation de l'ensemble des intervenants, il y a la phase conception et étude. Donc qui vient, qui est en général réalisée par un bureau d'études donc agréé, sur la base aussi d'études de sol, qui sont réalisées par un laboratoire aussi de sol agréé. Une fois que les études sont réalisées, ces études-là sont déjà préalablement à leur exécution contrôlée par un organisme de contrôle qui est le CTC. Une fois qu'on passe à la réalisation, bien sûr, la réalisation aussi est contrôlée par cet organisme de contrôle et suivie aussi par le bureau d'études, conformément à une réglementation technique de la construction. Qui est, pour ce qui nous concerne, nous, dans le secteur du bâtiment, elle est à trois niveaux. Nous avons le niveau 1, qui consiste en des prescriptions réglementaires et législatives de niveau 1, donc c'est des lois, ou bien des décrets, ou bien des arrêtés, qui définissent en fait un certain nombre de prescriptions et un certain nombre d'exigences. C'est des prescriptions exigentielles, en termes par exemple d'habitabilité, en termes de confort, en termes de durabilité, en termes de sécurité. Donc c'est des exigences qui sont édictées par ces lois. Ensuite vient ce qu'on appelle le niveau 2, qui vous donne les documents techniques réglementaires de conception et de calcul. C'est-à-dire comment calculer, comment concevoir les ouvrages pour satisfaire les exigences édictées dans le niveau 1. Mmh. Ensuite vient le niveau 3, c'est la mise en œuvre et l'exécution. Comment exécuter les ouvrages qui doivent satisfaire justement les règles de conception de niveau 2, mmh, qui répondent aux exigences de niveau 1. Et enfin, le niveau 4, c'est les normes de qualité des matériaux à utiliser dans ces différentes étapes. Donc, pour revenir, la qualité des matériaux et par la suite la qualité du bâti de manière générale, elle est codifiée, elle est réglementée, elle est encadrée depuis l'idée de réaliser un ouvrage jusqu'à la réception de cet ouvrage, mmh, en passant par les trois piliers essentiels qui sont 1. Le choix de terrain, les études géotechniques qui est un pilier. Le deuxième pilier, c'est les études de la conception. Le troisième pilier, c'est la réalisation. Et comme vous le remarquez, c'est une figure géométrique à trois points. Donc c'est un triangle. Et un triangle ne peut être en équilibre stable qu'en ayant les trois points fixes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas satisfaire un critère et ne pas satisfaire un autre. Il faut que les trois critères soient satisfaits en même temps, simultanément, mm-hmm, pour que le résultat soit un, c'est-à-dire la qualité. Qui soit au rendez-vous. Qui soit au rendez-vous. Il ne suffit pas de bien concevoir et de bien choisir le terrain, mais si on réalise mal, oui, il faut que les trois critères soient simultanément respectés pour avoir un résultat de qualité. Aujourd'hui, Brahim Hasnami, est-ce que la qualité globalement est au rendez-vous au même titre que les réalisations de logements sur le plan national? Bonjour. En réalité, pour tout ce qui est structure, tout ce qui est béton, c'est très encadré sur le plan réglementaire. Il y a des contrôles à tous les niveaux. Mmh. Et je pense que la réglementation algérienne, elle est vraiment très stricte à ce niveau-là. Et c'est ça qui impacte l'aspect sécurité. Je peux, sans risque de me tromper, que la réglementation algérienne est nettement, par exemple, plus exigeante par rapport à la réglementation espagnole. Quand on passe de l'autre côté et on voit comment ils construisent, leur construction ne pourrait jamais passer en Algérie. Donc on a fait beaucoup d'efforts et je pense que les différents séismes sont pour quelque chose. En 2003, la réglementation a été à plusieurs reprises donc confortée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les paramètres de sécurité dans les calculs sont très élevés. Et je pense que même parfois, on arrive à un certain surdimensionnement.
les techniciens qui ont élaboré ces paramètres ont essayé de s'organiser pour minimiser au maximum le risque. Cependant, si on reste uniquement sur l'aspect structure. Sur l'aspect structure, mais pour le reste, justement. Sur l'aspect structure, il y a encore quelques recommandations. Par exemple, est-ce qu'il y a des normes de qualité en termes d'agrégat, par exemple? Aujourd'hui, aucun fournisseur d'agrégat ne vous garantit les conditions et la qualité de son produit, ce qui n'est pas normal. Les ciments, je pense que d'une manière générale, en termes de contrôle qualité produit, il ne faut pas se suffire du contrôle interne du producteur. Il faut qu'il y ait un organisme externe pour pouvoir au moins contrôler ce qui et certifier la qualité du produit. Ça n'existe pas. Justement, on va revenir justement à la capacité des entreprises dans l'industrie du bâtiment à être aux normes et les différentes étapes selon lesquelles les produits en tout cas réalisés sont contrôlés. Akli Amrouche, aujourd'hui et globalement encore une fois la même question, est-ce que la qualité du bâti est au rendez-vous? Oui, excusez-moi, j'aimerais juste revenir un petit peu en amont, parce que j'ai entendu M. Afra, qui a fait une présentation très, très succincte, mais très efficace, par rapport aux différentes étapes de la construction. En fait, les différentes étapes de la construction ne commencent pas par le choix de terrain. Elles commencent d'abord par l'échelle urbaine, par des études urbanistiques cohérentes. Parce que la qualité, ce n'est pas juste la qualité de réalisation, mais la qualité commence bien en amont même des études d'architecture, ça se passe au niveau urbain. Donc juste pour vous recadrer... Vous parlez de qualité de vie. Hein, qualité de vie, des quartiers, oui. Qualité de ce qu'on offre aussi comme équipement, comme espace public, etc. Mm-hmm. Donc tout ça, en fait, rentre... Une commodité qui donc entoure la réalisation. Exact. C'est très important de le souligner, parce que même si parfois vous avez un mauvais logement mal construit, mais si vous avez le cadre agréable, vous pouvez passer outre et vivre une vie plus décente aussi. Donc c'est très important de le dire à ce propos. Je rebondis aussi sur ce qu'a dit M. Khaloufi sur les cahiers de charges. Alors là-dessus aussi, j'apporte un bémol, puisque aujourd'hui, en ce qui concerne le logement aidé, le logement public, il y a un seul cahier des charges que vous pouvez télécharger sur le site du ministère de l'Habitat. Et je trouve ça une aberration, puisque l'Algérie est diverse. L'Algérie, c'est un pays continent. Nous avons le nord, les hauts plateaux, le sud, l'extrême sud aussi, c'est un autre climat aussi. On en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que même s'il y a une nouvelle loi qui impose une contextualisation de ces cahiers des charges en fonction du climat, en fonction des régions, en fonction de la culture locale, je pense que c'est important de progresser à ce niveau-là pour aussi augmenter la qualité de la réalisation. Après, si vous passez bien entendu sur la construction, on parle de la construction maintenant, les bureaux d'études, moi j'appellerais je dirais peut-être les architectes en amont, parce que c'est eux qui reçoivent les commandes d'études, font leur travail. Alors, pas toujours dans la créativité, pas toujours dans la diversité, ils sont très conditionnés par... le maître d'ouvrage public qui maîtrise, oui, voilà, un cahier des charges unique qui limite, si vous voulez, la créativité architecturale. Parce qu'attention, il ne suffit pas de s'implanter et implanter des milliers de bâtiments et les distribuer sur un territoire donné. Il suffit de donner de la cohérence à l'ensemble. Vous pensez notamment à l'industrialisation du bâtiment qui, elle, en fait, limite en grande partie la marge de manœuvre du maître d'œuvre. Oui, voilà. À un certain moment, il y a des connexions qui manquent, en fait, entre le monde de l'industrialisation du bâtiment, la réglementation et, en fait, la créativité, la contextualisation des projets. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est des éléments aussi importants pour obtenir à la fin une qualité optimale. Une qualité globale. Je voudrais revenir à la qualité et la normalisation. Jamel Hellès, vous êtes donc directeur général de l'IANOR. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les entreprises qui fabriquent les matériaux de construction arrivent à se mettre aux normes qui sont édictées en amont par l'IANOR? Très bien, merci. Donc, merci pour l'invitation. Donc, avant de commencer, donc, je vais essayer de présenter un peu notre institut. Donc, Très brièvement. Donc, on est institut de normalisation. Donc, on est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, un EPIC. Donc, on a une mission de service public que l'État
donc, nous a chargé de coordonner cette activité. Et nos missions, donc, on peut résumer en quatre. En premier lieu, c'est d'élaborer les référentiels normatifs demandés par les acteurs économiques. Et à partir de là, si je reste sur ce premier point, c'est qu'on a 69 comités techniques nationaux. Dans les 69 comités techniques nationaux, on a une division qui est dédiée uniquement au domaine de matériaux de construction. Dans ces divisions-là, je peux vous dire que l'ensemble des acteurs sont présents. On a les fabricants. On a de 31 entreprises qui font partie. On a les laboratoires, qui sont, on a 8 laboratoires. Il n'y a que 31 entreprises Non, au niveau d'un comité technique, oui. Ah, d'accord. Non, au niveau d'un comité technique. Mm-hmm. Il y a 8 laboratoires, plus en tiers des universités, et on a 4 représentants. Pour vous dire qu'actuellement, on a plus de 734 normes algériennes dans le domaine. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la normalisation, c'est que, parce que nous, on n'est pas une usine de fabrique. Nous, en coordonnant cette activité, on met le cadre idéal. Donc, on met à disposition de ces entreprises-là pour qu'ils puissent siéger. En même temps, c'est que ce n'est pas uniquement d'élaborer la norme algérienne, mais essayer d'anticiper en amont sur la normation internationale. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, elle est membre dans 66 comités techniques internationaux de normalisation. Mmh. Parmi ces 66, il y en a 7 comités techniques internationaux qui sont dédiés uniquement dans le domaine de cette construction ciment béton. Donc, on essaie d'influencer les travaux normaux. Pourquoi ? Parce que le fait qu'on soit membre P, parce qu'il y a deux statuts au niveau international, on peut être membre P, c'est-à-dire qu'on participe et on vote, comme on peut être membre observateur, c'est-à-dire qu'uniquement on assure une veille normative, ce qui se fait au niveau international. Mmh. Donc vous tentez d'être à l'avant-garde de ce qui est appliqué en termes de normalisation à l'international. Mmh. Au niveau national, quelle est votre implication sur le terrain par rapport aux entreprises justement qui font partie de la... Donc, en premier lieu, donc, il y a l'aspect, donc la première mission, c'est d'élaborer référentiel. Je passe à la deuxième question, c'est par rapport à notre deuxième mission. Mm-hmm. Notre deuxième mission, c'est mettre à la disposition des opérateurs toute information, documentation relative à la normalisation. Mm-hmm. Donc, à travers... Informer, en même temps, assurer une veille normative. Mm-hmm. Donc, une veille normative pour les entreprises. Pour votre information, on a un centre d'information qui est au niveau, malheureusement, c'est ça, donc actuellement, c'est vrai qu'on est implanté uniquement à Alger, et on prévoit à ce qu'il y aura des antennes régionales. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, elle est assez vaste. Mm-hmm. Malheureusement, actuellement, au niveau de l'UNOR, donc on a un centre d'information. On met à la disposition du grand public toute information, documentation, et gratuitement, c'est-à-dire toute la collection de normes internationales, les 20 000 normes ISO qui existent, qui sont disponibles, la collection complète de normes nationales algériennes, les 9 000 normes algériennes qui existent, toutes types confondus, mm-hmm. plus les normes européennes qui sont disponibles. Très bien. Aujourd'hui, gratuitement, pour consultation au lecteur seul. D'accord. C'est-à-dire que non. C'est-à-dire, là, ils peuvent consulter la norme. Par contre, pour l'achat, c'est autre chose. Voilà. Pour l'achat, c'est autre chose. Ouais. Ce sont des entreprises économiques, donc elles ont les moyens. Pour ce qui est du contrôle des produits qui sortent de ces usines, comment le contrôle se fait-il ? Est-ce que le contrôle se fait volontairement ou bien est-ce qu'il est obligatoire aujourd'hui ? Oui. Je voudrais réagir, si vous permettez. D'abord, par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la qualité de manière générale, donc tout ce qui est, comme je l'ai dit, tout ce qui est choix de terrain intègre tous les choix par rapport à ce qu'a développé M. Amrouche. Et tout ça, c'est contenu dans les instruments d'urbanisme, mm-hmm. qui sont en amont déjà validés, déjà établis. Vous réagissez par rapport à l'aspect urbanisme. Voilà, c'est ce qu'on appelle les PDAE, les plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme, mm-hmm. et les POS, les plans d'occupation du sol. Donc tout ça, c'est des instruments d'urbanisme qui orientent. L'urbanisme de manière générale. Mmh. Donc tout ça, c'est contenu dans le premier point. Oui, la qualité de vie était déjà un sujet. Oui. Non, mais c'est un sujet déjà assez vaste qu'on pourra. Intégré dans les instruments d'urbanisme. Tous ces aspects-là sont déjà intégrés. Mais pour ce qui est du contrôle maintenant, pour ce qui est du contrôle des matériaux, comme je l'ai dit, les matériaux de construction sont normalisés. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le secteur, niveau 4. Donc, j'ai dit, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, c'est la qualité des matériaux à utiliser. Dans les ouvrages, pour satisfaire les exigences de niveau 2
et les exigences du niveau 1. Donc, comment elles sont contrôlées? D'abord, tout producteur, normalement, devrait avoir un contrôle interne au niveau de son organisme. C'est-à-dire que c'est la loi l'oblige à avoir un contrôle interne. Il n'y a pas d'obligation. C'est normalement, pour pouvoir s'imposer sur le marché, il devrait avoir au minimum un contrôle interne, plus un contrôle externe. Je vais vous donner des exemples. Nous, au laboratoire du CNIRIB, nous recevons énormément de produits locaux, bien de produits étrangers, attestés. Les producteurs sont heureux d'avoir un certificat ou un PVDC du CNIRI pour le faire valoir auprès des maîtres d'ouvrage, le faire valoir auprès des concepteurs, pour justement pouvoir s'imposer sur le marché. Mais Hamid Afra, vous dites qu'ils sont heureux de l'avoir. Est-ce qu'aujourd'hui ce document est nécessaire? Est-ce qu'il leur permet d'accéder à des marchés et d'être... Aujourd'hui, est-ce que les entreprises de réalisation, les entreprises de réalisation essentiellement, sont demandeurs de ces documents justement de qualité qui donc prouvent concrètement la qualité des produits? Tout à fait. Les maîtres d'ouvrage qui sont responsables du projet demandent ces documents qui prouvent justement la qualité et la conformité des produits par rapport aux normes. Les concepteurs, les maîtres d'œuvre sont responsables aussi de leur conception, de leur œuvre qui doit être réalisée avec les matériaux de qualité. Donc ils doivent contrôler que les matériaux utilisés répondent aux exigences de conception. Il y a un autre organisme de contrôle aussi, c'est l'organisme de contrôle technique de la construction, c'est le CTC, qui est chargé aussi de contrôler sur site la conformité de ce qui est prévu dans les plans à la réalité. Dans le cahier des charges aussi. Oui, le cahier de charge, il suit les plans, c'est le résultat du cahier de charge. Pour revenir au cahier de charge, si vous permettez, nous avons au niveau du secteur trois cahiers de charge. Là, vous êtes en train de parler uniquement du cahier de charge relatif au LPL, le logement public locatif, qui est effectivement réglementé, encadré, parce que c'est un logement social. Donc là, l'objectif de l'État, c'est de produire un maximum de logements, c'est tout à fait normal, il est encadré. Mais vous avez une liberté d'expression architecturale dans d'autres segments. Vous avez l'autre segment de logement qui est le logement location-vente ADL, ou bien le LPL, le logement public aidé, qui est des niveaux de standing supérieurs au LPL. Mais vous avez le troisième segment qui est le logement promotionnel. Et là, vous avez la liberté de vous exprimer librement en matière de concepts architecturaux. C'est pas limité. Et ils ont recours à des matériaux en termes d'espace, en termes de fonctionnalité, en termes de volumétrie, en termes de qualité. Mais pour rester dans les logements qui sont aidés, qui sont subventionnés, ce sont en termes de nombre les plus importants. Aujourd'hui, vous parlez de cahier des charges lorsqu'on parle de logements fait l'objet d'un appel d'offres, qui fait appel au moins 10 ans. Est-ce qu'on est en droit de penser, est-ce que les Algériens sont en droit de penser que, puisque c'est un logement aidé, il y a recours à des matériaux moins chers et qui pourraient être de moindre qualité. Pour rester dans la qualité, aujourd'hui, est-ce qu'elle est garantie quand bien même les logements sont logements sociaux, par exemple? Brahim Hasnaoui. Écoutez, dans cette problématique, aujourd'hui, il n'y a pas de fournisseur, de producteur de matériaux qui garantit son produit. Par exemple, une brique. Vous dites qu'il n'y a pas. Vous êtes peut-être. Non. Il existe. La réglementation existe. Tout ça existe. Mais qui est chargé de faire respecter ces normes au niveau des producteurs? Aujourd'hui, tous les problèmes se retrouvent concentrés au niveau de l'entreprise. Je vous donne un exemple simple. Au niveau des agrégats, pour obtenir des agrégats de qualité, il faut commencer par éliminer tout ce qui est stérile, là où il y a des tas, des argiles, etc. Et là, il y a un moyen au niveau des installations, on ouvre une certaine lacune pour pouvoir éliminer le maximum d'impuretés pour avoir des agrégats propres. Oui. Ça représente 10% de la production. Est-ce que tout le monde est suffisamment consciencieux pour faire ça? Je dis non. Est-ce que ces gens-là sont contrôlés, ne serait-ce que de manière... Non. Est-ce qu'un producteur de briques est contrôlé et qui garantit? On arrive à parfois 15-20% de casse.
Parce que la brique est fragile. Mais on n'a pas le choix, c'est des produits sous tension. Le ciment, est-ce que le, qui est un produit synthétique. Est-ce que l'entreprise de réalisation refuse, est-ce qu'il arrive que les entreprises de réalisation refusent le produit lorsqu'ils voient que finalement il ne répond pas aux normes, en tout cas aux qualités? Est-ce qu'il existe des entreprises de réalisation qui ont ce courage, le courage de le faire aujourd'hui? Mais lorsqu'un produit est sous tension, que peut faire l'entrepreneur? Je prends un exemple. On a eu des problèmes, par exemple, sur le ciment. Oui. Qui, normalement, doit répondre à certaines classes. Nous, on fait des contrôles de manière systématique. Et parfois, on a des résultats réellement faibles. Ce qu'on dit au producteur, c'est le nom de, avant de l'accord, donnez-nous la classe réelle pour qu'on puisse nous adapter. Donc là, on est obligé de nous équiper pour pouvoir faire des contrôles avant l'utilisation et ajuster les dosages. Mais ça, ce n'est pas le cas général. Le président DGA parlait tout à l'heure dans le reportage, il parlait de produits, de matériaux de construction frauduleux. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème se situe plus au niveau de la capacité des entreprises de réalisation de ces matériaux à être aux normes, ou bien est-ce qu'il y a un problème de fraude? Non. On revient vers vous, monsieur Jamal Hellas. Le problème se situe à quel niveau, selon vous? Moi, je vais parler sur l'aspect normatif, parce que si on revient un peu en arrière, c'est que le problème du ciment, c'est qu'il y avait une norme homologuée, c'est-à-dire une norme obligatoire. Pourquoi? Parce qu'actuellement, dans le code de bonnes pratiques, il y a la norme. Dans l'Algérie, elle a ratifié l'accord, donc il y a norme, donc elle a ratifié l'accord du code de bonnes pratiques de l'ISO, qui est l'annexé du code OMC. Vous parlez du ciment, précisément. Hein? Pour le ciment, en ce moment, c'était une norme homologuée. C'est-à-dire qu'aucun produit ne peut être fabriqué en Algérie ou importé s'il n'est pas conforme au référentiel la NA442, norme de spécification technique, qui est identique à la norme européenne. Avec le temps, elle est devenue jusqu'à présent un arrêté, plutôt un arrêté interministériel. Donc, c'est un règlement technique. Mais sur le terrain, Jamal Hellas. Justement, c'est ça, je pose le. C'est que, logiquement, donc le ciment, les normes de spécification du ciment, aucun producteur ne pourra. Produire ce ciment ou l'importer s'il n'est pas conforme au référentiel. Maintenant, en Algérie, on a, parce que les laboratoires accrédités, on a un seul pour l'instant. Okay. C'est le CITIM. Actuellement, c'est le CITIM, c'est le seul. Même nous, actuellement, parce que le ciment, en plus de ça. Quand vous dites que c'est le CITIM est le seul laboratoire de contrôle qualité, je rappelle qu'il est filiale du groupe GICA, vous voulez dire qu'il n'est pas suffisant? Que le nombre de laboratoires ne sont pas suffisants pour pouvoir contrôler la qualité du ciment. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, peut-être les concrets. Dans nos missions, parce que j'ai parlé uniquement de missions, il y a pas d'émission, c'est la certification de produits, qu'elle est volontaire. Donc, nous, on a quand même le produit, il y a le ciment, qui est certifié sur la marque algérienne TECH. Oui. Donc, la marque TECH, c'est que, une fois qu'on lui délivre, donc, on a mandaté, parce qu'on a besoin. On a mandaté un organisme qui est accrédité. C'est la porte du ciment qui est accrédité. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un laboratoire qui a les compétences nécessaires. Oui. Maintenant, ce produit-là, si je prends, il est ce produit, le ciment, il est labellisé, mais certifié selon la norme NA442. Donc, il y a un audit d'admission. Donc, on a mandaté le CITIM pour aller sur place. Il y a mensuellement, pour les entreprises qui ont opté pour la situation de ce produit-là. Mensuellement, qui ont opté volontairement. Volontairement. On est encore dans une action volontaire. Hein? Donc, il y a un prélèvement mensuel. Donc, mensuellement, donc, le CITIM va chez les entreprises. Et donc, on a compris, il va donc vérifier l'application de cette norme. Ça, c'est la théorie. Et quand vous me dites que le CITIM fait un prélèvement par mois, vous jugez qu'un prélèvement par mois est suffisant? Et lorsqu'on sait que le CITIM dépend du GICA, c'est son patron, et un contrôle au niveau du cimenterie, c'est normalement, c'est tous les jours. Il faut des assurances. Alors, si on rate une journée de production, ça peut avoir des effets graves. Et c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé, justement? Des problèmes de qualité. Je parle des normes, des règles, elles existent. Moi, ce que je dis, tous les produits sont normalisés. Mais qui fait le contrôle, qui attend ce que ces normes sont réellement appliquées? Elles ne le sont pas.
Alors, si je reviens sur la partie logement social, dans certains pays, le logement social est pour plus démunis d'entre nous, enfin de la population. En Algérie, il est pratiquement donné gratuitement aux nouveaux acquéreurs. C'est pas ça le problème. Le problème se pose au niveau de ces coûts administrés. Comment voulez-vous avoir une qualité? Bon, je reviens pas sur les bétons, parce que là, je pense que vraiment, on a fait un pas très important. Et aujourd'hui, on peut dire que les choses sont sécurisées en matière de structure. Je parle de tout ce qui vient après, parce que c'est ça le plus important. Oui. Est-ce que vous avez une cité? Est-ce que les habitants remarquent? Parce que finalement, celui qui va habiter ne remarque pas la structure. Exact. Donc, quand vous rentrez, bien sûr, vous êtes très content. Et puis, bon... Pas toujours. Pas toujours, mais après, les dégradations commencent à venir. Quand vous avez un produit peut-être qui n'est pas aux normes, qui est peut-être le moins 10 ans, qui est choisi parce que contrainte budgétaire. Vous savez, l'inflation en Algérie, elle est souvent importante. Et vous avez l'entreprise qui est confrontée à un coût fixe, qui est déterminé et administré, et qu'il faut absolument qu'il arrive avec des résultats et livrer le produit. On ne vient pas s'étonner après que 2 ans après livraison, les murs sont décrépits, les portes se tombent, les fuites viennent de partout, l'étanchéité est défectueuse, etc. Donc là-dessus, moi je pense que au contraire, au niveau social, c'est-à-dire quand vous donnez un logement à une catégorie peut-être qui est démunie, c'est là où vous devriez normalement utiliser les matériaux les plus robustes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de turnover. C'est-à-dire qu'on donne un logement et on le construit, mais l'État construit quelque part à perte, juste un peu pour régler un problème social. La qualité, je pense qu'on n'est pas très regardant. Encore pire pour l'aspect urbanistique sur ce type de logement. On a fait des améliorations, effectivement. Il y a aujourd'hui une amélioration sensible sur certains nouveaux quartiers, mais sur le plan cohérence urbanistique, je reviens toujours là-dessus, il y a des pdos et des postes, mais souvent, on est à la recherche de terrain. Donc, un PV de choix de terrain, on sort et on choisit un terrain sans aucune cohérence d'ensemble. Oui. Donc, voilà. Vous disiez à Carmouche que le logement social, l'État devrait mettre des matériaux ou utiliser des outils plus robustes aujourd'hui. Est-ce que c'est la disponibilité de ces produits robustes ou bien est-ce que c'est un problème de choix finalement? Parce que si on parle de logements intégrés à 80%, comment faut-il trouver ces matériaux? Je pense que le problème n'est pas là. Quand on définit un coût, par exemple un logement social LPA, il est de 2 800 000 dinars. Il ne faut pas oublier que ce prix a été arrêté il y a 4 ou 5 ans. Exactement. Il n'y a pas de formule de révision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, au lieu de tirer vers le haut, il est en train de tirer vers le bas, parce que sa politique, c'est la production du plus grand nombre. Maintenant, plus on se rapproche des normes, plus on décroche par rapport au pays normalisé, entre guillemets. C'est-à-dire que même les entreprises qui réalisent aujourd'hui ne peuvent pas suivre. Aujourd'hui, il est impossible de faire un logement de qualité acceptable dans les normes avec des produits de qualité à moins de 80 000 dinars le mètre carré. C'est exactement ça. Si la norme, ça coûte cher. Alors, plus on essaie de nous rapprocher des normes, plus on s'éloigne des normes. Ça veut dire qu'il ne faut pas, se voler la cache. Que c'est une fatalité. Hamid Afra. Oui. Oui. Votre point de vue, certainement, sur la question. Oui, moi, c'est pour dire, en fait, que cette question de qualité, comme je l'ai déjà dit... Et ce mètre carré qui est sous-évalué... Les programmes de logement... Est-ce qu'il implique la qualité? Oui, les programmes de logement sont attribués sur la base d'appels d'offres. Ce n'est pas le moins 10 ans qui obtient le marché, c'est le mieux 10 ans. C'est une notion qui est différente. Sur la base des avis d'appel d'offres, et l'avis d'appel d'offres est lancé sur la base d'un cahier de charge, sur la base aussi de plans d'exécution. C'est le dossier d'exécution, sur la base d'un dossier d'exécution élaboré par le bureau d'études, qu'on lance l'avis d'appel d'offres réalisation. C'est-à-dire, toutes les sections, toutes les caractéristiques des matériaux sont définies dans le dossier d'exécution, qui est visé par un organisme de contrôle et qui est élaboré par un maître d'œuvre qui en prend la responsabilité. Donc, je ne pense pas qu'un maître d'œuvre conçoive un ouvrage dont les caractéristiques
des matériaux sont en deçà des normes. C'est sous sa responsabilité de toutes les façons. Il a une responsabilité pénale au même titre que l'entreprise de réalisation. Le CTC aussi ne doit pas apposer son visa sur un dossier d'exécution qui n'est pas conforme à la réglementation. Mm-hmm. Donc maintenant, entre ces deux, chacun assume sa responsabilité, que ce soit au titre du maître d'ouvrage, ou bien au titre de maître d'œuvre, ou bien au titre de l'organisme de contrôle, ou bien au titre de l'entreprise de réalisation. L'autre entorse qu'on constate finalement sur le terrain, c'est que les dernières années, on attribue les marchés en études et réalisations. Ça veut dire que l'entreprise devient presque un maître d'ouvrage bis, puisque c'est lui qui recrute l'architecte. L'architecte est payé par l'entreprise. Donc il travaille avec les exigences de l'entreprise. Où est-ce qu'elle est la liberté? Où est-ce qu'elle est la limite de la responsabilité? Les architectes en souffrent. Ils en souffrent en silence parce qu'il y a moins de travail avec les conditions économiques actuelles. Et je trouve qu'il y a... l'entorse, elle est là. Et la responsabilité, où est-ce qu'elle va se situer? Puisque l'entreprise, il a un coût administré. Il faut qu'il arrive au coût... il ne faut pas qu'il descende. Oui. Ou là, qu'il monte. Il faut aller au-dessus. Respecter les normes, il faut qu'il mette beaucoup plus d'argent. L'architecte, c'est vrai qu'il est responsable sur la qualité, mais est-ce que l'architecte a toute cette liberté aujourd'hui? On se pose aussi cette question. J'espère que cette formule étude et réalisation changera, parce que c'est plus possible de responsabiliser l'architecte sur des choses que dans lui ne peut pas tenir, des engagements que prend l'entreprise. Aujourd'hui, normalement, ça devrait être séparé. L'étude, l'architecte doit travailler dans son coin, il doit contrôler l'entreprise et il doit conseiller le maître d'ouvrage pour que la qualité soit optimale. Donc un cloisonnement entre le maître d'œuvre et l'entreprise de réalisation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Akli. Ce qu'il faudrait, c'est le contraire, c'est de mettre en place une complicité saine, je dis bien saine, entre l'entreprise et le bureau d'études. De manière à ce que dans la conception, on tienne compte des moyens de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, ces deux éléments complètement séparés, même dans la conception, c'est un système qui ne permet pas d'innover. Parce qu'il faudrait pousser tout le monde vers l'innovation. Alors si vous concevez, vous, un projet qui ne tient pas compte des capacités, des moyens et de la technicité de l'entreprise, parce qu'on va voir de l'accord, ou là, on viendrait à refaire l'accord. Ce qui, pour éviter ce genre de problème, et je pense qu'il est urgent aujourd'hui pour l'administration de déterminer un seuil qualitatif. Quel est le minimum requis dans l'habitat qu'il faut évaluer, chiffrer de manière correcte, qui puisse servir de référence. Et ce semi qualitatif n'existe pas. Et tant qu'on ne le fait pas, et de manière claire, on ne peut pas évoluer. Et c'est seulement à ce niveau-là qu'on va pouvoir libérer toutes les initiatives, l'architecte, le réalisateur, et l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on est en train de tirer vers le bas le minimum et les prix qui sont pratiquement, aujourd'hui, qui sont pratiqués, aussi bien pour les maîtres d'œuvre que pour les entreprises, n'ont aucun sens. Quand vous lancez un concours d'architecture avec un coût objectif fixé à l'avance, donc c'est-à-dire que vous êtes en train de dire, voilà, c'est ces conditions. La finalité est là. Voilà, si vous voulez gagner de l'argent, faire une étude d'architecture, vous avez le choix de... Voilà, vous n'avez pas fait le choix, vous travaillez comme ça, et vous réduisez vos coûts. C'est le moins 10 ans, souvent, c'est le moins 10 ans qui prend le marché d'études. Et là, même la loi n'est pas respectée en termes de l'horaire des bureaux d'études qui ont aussi la charge de faire le suivi. Et ça aussi, c'est un problème énorme que les professionnels, que l'Ordre des architectes, le syndicat des architectes, est en train de dénoncer depuis quelques années. Vous savez, il n'y a pas de solution. Allez-y. Excusez-moi, c'est juste pour dire les concours d'architecture ne sont pas lancés avec un co-objectif arrêté initialement. C'est la responsabilité du maître d'œuvre qui doit arrêter. C'est lui qui doit, et d'ailleurs il est noté sur ça. Dans les critères sociaux, là, dans les critères. Oui. Le logement social. Dans tout programme, les pays ne sont pas arrêtés initialement. Préalablement, il appartient au concepteur d'arrêter le co-objectif. Et d'ailleurs, il est noté et il est responsable. Et dans le cas où la réalisation
montre que le prêt n'est pas respecté, réglementairement, il est pénalisé le bureau d'études parce qu'il a mal évalué son projet. Ça, premier élément. Deuxième élément, comme je l'ai dit, les avis d'appel d'offres donc sont lancés ouverts à tous les mieux 10 ans, moins 10 ans. Non, c'est le mieux 10 ans, c'est pas le moins 10 ans. C'est une formule de calcul. Donc vous avez l'aspect technique, vous avez l'aspect financier. Donc on fait la somme des deux. Mais aujourd'hui, au prix du mètre carré tel qu'il est pratiqué par les pouvoirs publics, est-ce que les différents protagonistes, c'est-à-dire maîtres d'œuvre et entreprises de réalisation, se donnent la capacité financière d'opter pour des matériaux qui sont de qualité, qui n'auront pas à être maintenant, à faire l'objet de bien sûr, parce que comme je l'ai dit, le maître d'œuvre ne peut pas normalement concevoir des ouvrages qui utilisent des matériaux non conformes. Ça c'est la déontologie, nonobstant le côté pénal. Mm-hmm. Donc on ne peut pas concevoir un ouvrage en mettant, par exemple, un béton de mauvaise qualité. À condition de le savoir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on est d'accord. Il y a toutes ces étapes-là qui doivent être respectées. Maintenant, au cours de la réalisation, s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas, il en assume la responsabilité. Maintenant, si vous permettez, par rapport au projet, au programme réalisé en étude de réalisation, c'est une exception qui est permise réglementairement. La réglementation régissant la maîtrise d'œuvre le permet. Exceptionnellement, il faut motiver cette forme de mais ça tend à devenir la règle. Hein, ça ne représente même pas 5% des programmes. Au niveau de l'habitat, ça ne représente même pas 5%. C'est des cas exceptionnels où on est amené à confier des programmes en études et réalisation. Mais ça ne dépasse pas les 5% des programmes. Et c'est de toutes les façons réglementaire dans le cadre de l'arrêté interministériel fixant le modalité. Une autre question qui est justement liée à ce que vous venez de dire, Hamid Afra, est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de dire qu'il y a des entreprises de réalisation qui, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire des logements subventionnés, donc avec un coût minimal du mètre carré, ont tendance à ne pas appliquer le cahier des charges au pied de la lettre, qu'ils se contentent d'appliquer le schéma graphique seulement? C'est pas normal, ça. C'est pas normal parce que... Est-ce que c'est le cas déjà? L'entreprise, elle a répondu à un avis d'appel d'offres qui est clair, sur la base d'un cahier de charge et sur la base d'un dossier d'exécution, où toutes les caractéristiques des matériaux, toutes les sections, toutes les dimensions sont fixées. C'est un dossier d'exécution au millimètre près. Et là, quand on répond à ce cahier de charge, à ces plans, l'entreprise de réalisation, avant de soumissionner, elle consulte le dossier qui est disponible au niveau du bureau d'études. Donc, je vous dis, c'est une concurrence. C'est des avis d'appel d'offres ouverts, nationaux et internationaux. Je donne la parole à l'entrepreneur qui va passer. Et on arrive à réaliser, avec des entreprises nationales, avec des entreprises étrangères, les programmes, bien sûr, comme justement, c'est ouvert. Il nous reste encore 10 minutes. C'est le mieux 10 ans. On va évoquer justement le maintenant, quelqu'un qui s'est engagé contractuellement à réaliser un ouvrage selon un dossier d'exécution en cours de... Il y a aussi la clause de révision des prix qui est prévue dans le code de marché public. Les fameux avenants qui... On prévoit la clause de révision des prix et chaque trimestre, il y a la révision des prix qui est publiée par le ministère de l'Habitat. Madame, la réalité est la suivante. D'une manière générale, les cahiers de charges sont squelettiques. C'est-à-dire? Quand on fait une étude, on va dans le détail. Exactement. Plus de place à la réflexion, ça veut dire qu'on a tout figé avec toutes les caractéristiques. On ne réfléchit plus. Le produit identifié, etc., de manière à permettre à l'entrepreneur de calculer son coût de manière... Ça veut dire qu'il va identifier le produit, où est-ce qu'il se trouve, il répond au nom. Et c'est ça... Ces données n'existent pas actuellement dans les cahiers des charges. Et ça, les dossiers sont très sommaires. Je vous donne un exemple. Par exemple, je prends un exemple, le béton. Béton armé, au mètre cube. C'est un non-sens. Parce que la quantité de coffrage peut aller de 1 à 5 par mètre cube. La quantité d'acier peut aller de 1 à 3. Il faut décomposer le coffrage wahda, le béton wahda, l'acier wahda. Ça n'existe nulle part en Algérie. Dans tous les cahiers de charge.
Ça, c'est déjà une source de problème. Quand on parle de revêtement, bien sûr, dans le logement social, on fait des revêtements à 250 dinars, 300 dinars. Mm-hmm. Et au bout de quelques mois, le mariage ira. Est-ce que le fournisseur, est-ce que dans le cahier de charge, on précise ça, la durabilité, le nombre de passages. Quand on met une serrure, il faut la garantir, 10 000 ou 15 000 ouvertures, 20 000. Mm-hmm. Ça, il faut le préciser. Et il faut que le fournisseur le garantisse. Exact. Il n'y a aucun détail. Aujourd'hui, la plupart des études se limitent à l'avant-projet. La plupart. Pourquoi? Parce que les bureaux d'études se sont sous-payés. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. Pour le suivi, ouais. Un ingénieur est payé à 70 000 dinars mois. 70 000 dinars mois. Si on considère son salaire, le véhicule, le téléphone, les frites, tout le monde sait que c'est sous-évalué. Est-ce que celui-là, il va faire son travail de manière correcte? Le logement, par exemple. Les bureaux d'études ont été tellement étouffés sur le plan des honoraires qu'aujourd'hui, il y a un manque flagrant en termes de suivi. Tout à fait. Et ça s'explique. Il me reste quelques minutes et les questions qui sont évoquées, je ne peux m'empêcher de penser au coût et donc à la main-d'œuvre, puisqu'il y a aussi ce paramètre qui est moins disant, qui est donc moins cher. Est-ce qu'aujourd'hui, le recours à une main-d'œuvre étrangère, moins cher en termes de coût de réalisation, est une fatalité? Pour revenir à la question de M. Hasnaoui, pour parler du béton armé par exemple, le cahier de charge et le devis quantitatif et estimatif, il va dans le détail. Pourquoi? Parce que le béton armé, on sait tous. Non, vous avez le listing, vous avez le béton armé pour les fondations, c'est une chose. Le béton armé pour les poteaux, le béton armé pour les voies, le béton armé pour les dalles, les planchers. Et pour chaque type de béton, pour chaque type de structure, nous avons effectivement un taux de ferraillage. Et là, c'est connu. La réglementation, elle est fixe. Et le bureau d'études vous donne la quantité de ferraillage à mettre dans les poteaux, qui n'est pas la même que la quantité de ferraillage à mettre dans les fondations. C'est connu, c'est 100 km3, ou bien ça va jusqu'à 200-250 km3. C'est vrai, ça varie de 1 à 3. Mais l'entreprise, en soumissionnant, elle a toutes ces données. L'entreprise ne doit pas soumissionner avec un prix fixe, quel que soit le béton. Maintenant, elle peut soumissionner pour un prix fixe, en donnant une moyenne. C'est tout à fait normal. Maintenant, pour la question de la main-d'œuvre étrangère, comme je l'ai dit, les avis d'appel d'offres sont nationaux et internationaux. Si c'est l'entreprise nationale qui décroche le marché, qu'elle utilise les moyens nationaux en termes de main-d'œuvre, c'est tant mieux. Si c'est l'entreprise étrangère. En termes de capacité d'être en phase avec les cahiers des charges, est-ce que l'entreprise étrangère est plus capable? Madame, les marchés publics, vous savez, donnent la priorité et la préférence à l'entreprise nationale avec une marge de préférence de 25%. Mmh. C'est-à-dire, même si vous avez une entreprise nationale qui soumissionne avec 25% de plus par rapport à une entreprise étrangère, c'est l'entreprise nationale qui est attributaire du marché. Mmh. Donc, chaque entreprise, en fonction de ses moyens, en fonction du cahier de charge, en fonction de ses moyens humains et matériels, soumissionne. Et aujourd'hui, la statistique montre que, vous savez, nous réalisons plus de 70% des programmes avec l'outil national. Et beaucoup d'Algériens, dans cette phrase qui revient souvent, les Chinois travaillent plus vite, mais peut-être moins bien. Est-ce que c'est une idée préconçue? Est-ce que c'est une fatalité aujourd'hui que le logement aille plus vite grâce à des entreprises chinoises? Pas du tout. Je pense qu'il y a un volet, c'est vrai, qui est... pas délaissé, mais l'importance, on lui donne pas assez d'importance, la formation professionnelle. Je pense qu'on a une lacune, une grosse lacune là-dessus. Je veux dire, nos écoles de formation ne forment pas assez de personnel qualifié dans le secteur du bâtiment. Mm-hmm. Aujourd'hui, les débouchés sont énormes. Les entreprises n'arrivent pas à trouver des ouvriers qualifiés. Ils ont des problèmes là-dessus. Je pense que il y a des efforts qui se font, mais pas assez. Je pense qu'il y a
aujourd'hui des promoteurs, des entreprises privées qui se lancent un peu pour former leur personnel. Mm-hmm. Il y a beaucoup de métiers dans le bâtiment. Il n'y a pas que le coffreur et le ferrailleur. Il y a les plaquistes, il y a les chauffagistes, les plombiers, etc. Il y a pas mal de corps de métier, même les nouveaux, qu'il faut combler parce qu'il y a la demande, elle est énorme. Aujourd'hui, l'entreprise étrangère est nettement plus favorisée que l'entreprise algérienne. Aujourd'hui, au niveau des coûts pratiqués, les coûts pratiqués pour les entreprises algériennes sont nettement inférieurs aux entreprises étrangères. Vous parlez des marchés publics, Brahim Hassani. Oui, je parle des marchés publics. En plus de ça, les entreprises étrangères bénéficient d'un taux de 30%. On dévie sur le coût des projets, des programmes. Ils ramènent leur main-d'œuvre. C'est le point fort parce qu'aujourd'hui, dans la construction, le facteur limitant, c'est quoi? Mm-hmm. C'est la main-d'œuvre. Les entreprises étrangères ont le droit de ramener leur main-d'œuvre. Qui travaillent 70 heures par jour, 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Qui ne font pas travailler que sur leur chantier, il faut le rappeler. Qui font travailler sur d'autres chantiers également. Sur leur chantier, ils travaillent 7 jours sur 7. Tandis qu'ils ne respectent pas la réglementation du travail. À nous, on nous impose les 40 heures. Ils peuvent ramener. Nous, on ne peut pas ramener la main d'œuvre étrangère. Est-ce qu'ils sont plus efficaces, puisqu'on parle de qualité? Mais efficaces, bien sûr, à partir du moment où on travaille deux fois plus. En temps. C'est déjà rassurant pour les rendements. Aujourd'hui, il y a un problème de formation, comme a dit Siakli, mais il y a également un problème d'adaptation des métiers de la construction à la mentalité des jeunes. Et sur ce point-là, il y a un effort particulier à faire. Mm-hmm. Pas seulement la formation. La formation également. Et l'introduction de nouveaux métiers pour les adapter à la... Et le défi, c'est celui-là. Je vais mettre un dernier mot, puisque le temps que nous a imparti est déjà terminé. Il a tendu la pêche concernant la compétitivité. C'est qu'il y a actuellement, il y a un fonds de compétitivité industrielle au niveau du ministère de l'Industrie des Mines pour qu'on puisse mettre en place des systèmes de management de la qualité au niveau de cette entreprise-là. C'est-à-dire qu'on peut profiter, parce que c'est un fonds qui existe. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a l'environnement du produit. Moi, je dis qu'on ne peut pas parler de qualité si au préalable, on n'a pas une démarche normative dans l'entreprise. Pourquoi? La normation, c'est quelque chose de simple. La normation, c'est une activité qui permet de mettre de l'ordre. Et on ne peut pas avoir de norme si au préalable, il n'y a pas une organisation. À partir de là, parce que si on va voir concernant les coûts ou autres, l'un des objectifs de l'organisation, en plus de la sécurité qu'on n'a pas parlé, parce qu'il y a beaucoup d'aspects sécuritaires lorsqu'on parle de qualité du bâti. C'est qu'on voit ce qui se passe actuellement lorsqu'on met en place un disjoncteur qui est différent et autres. Lorsqu'on parle de la robinetterie, et ainsi de suite. Sur l'environnement. L'environnement. Donc, lorsqu'on va mettre en place donc, cette démarche au niveau de l'entreprise, automatiquement, il y aura, en plus de la sécurité, il y a la réduction des coûts. Parce que ça, la normalisation, elle va vous permettre de réduire vos coûts. Mm-hmm. Donc moi, je lance un appel à travers ce plateau-là, c'est que les comités techniques existent. Celles qui n'existent pas, même demain, s'il y a d'autres domaines, parce que tout à l'heure, on parlait de ceux des agrégats et autres. Je vous dis qu'il y en a plus de 700 normes algériennes dans le domaine de matériaux de construction. À défaut, même si on n'a pas de normes nationales, il y a des normes étrangères et internationales qui existent. Donc, on peut les utiliser. La question à présent, c'est que les différents opérateurs de ce secteur de l'industrie du bâtiment, du matériel bâtiment, puissent venir vers vous. Les comités sont ouverts. Et donc, faire appel à la normalisation. Que les normes, chercher des labels entre entreprises industrielles. Il faut arriver au label algérien de qualité. Moi, je pense que c'est important. Et c'est un travail qui doit se faire. Merci messieurs, le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé. Merci Jamal Hennes. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'IANOR, Akli Amrouj, architecte urbaniste et directeur de la publication Videville, Valérie Hasnaoui, le PDG du groupe Hasnaoui, et monsieur Hamid Afra, le directeur général du CNIRID. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette thématique qui, je l'espère, vous a davantage éclairé, peut-être rassuré également sur la sécurité des logements que vous habitez, que vous allez bientôt habiter, j'espère pour vous. Pour la rediffusion de cette émission, vous pouvez à suivre demain entre 11h et midi, et pour ceux qui voudraient voir le replay, c'est disponible sur notre site www.entv.dz. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même chaîne. Très bonne soirée à tous. Au revoir. We'll be right back.
Thank you.